Bonjour, monsieur Richard. Bonjour. Prière d'abord vous présenter. Moi, je suis Richard Kalindi, je suis le coordonnateur national du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business, déjà merci. Projet sous tutelle du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Monsieur Richard, il y a eu un groupe de jeunes qui était allé à l'Assemblée nationale pour saisir le président de l'Assemblée nationale. Disons qu'il y a eu des tournements au ministère de l'Agriculture et ils ont nommément cité aussi votre structure PEJAB, disant que vous avez sorti des fonds à hauteur de 42 millions de dollars pour aller financer des jeunes qui n'étaient pas incubés parmi eux. Voilà pourquoi nous sommes venus prendre votre son de cloche après avoir écouté leurs informations. Bon, il faut d'abord aussi rappeler que c'est par voie des ondes que nous avons appris votre article sur les détournements de 42 millions décaissés par le gouvernement de la RDC en faveur des jeunes. Et ici, l'occasion pour nous de dire que d'abord, ni de loin ni de près, nous n'avons été associés dans un processus de décaissement ou de financement des projets de jeunes par des fonds publics. D'autant plus que nous n'engageons pas la chaîne de dépenses publiques. Donc, et nous n'avons pas été saisis de quelque manière que ce soit, ni le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire à travers le ministre d'État, Son Excellence Grégoire Mouchaï, ou encore la coordination de l'unité de coordination du projet PEJA. Donc, nous ne reconnaissons pas un détournement de fonds de 42 millions de dollars, comme affirmé à travers vous par le groupe de jeunes qui sont passés à l'Assemblée nationale pour dénoncer cela. Mais comment, qu'est-ce qui les pousse, si vous pouvez essayer un peu d'examiner, qu'est-ce qui les a poussés de venir, d'aller dénoncer s'il n'y a pas vraiment de tournement, s'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas? Qu'est-ce qui les a poussés d'aller vous dénoncer au niveau de l'Assemblée nationale? Bon, d'abord, je ne sais pas s'il faut que je demande, ils ont dénoncé avec quels moyens. Ils ont saisi l'Assemblée nationale par l'écrit. Les vérifications. Oui, saisir, ça c'est. Tout le monde peut écrire une lettre, on se réveille un matin, on écrit. Mais quand on fait des affirmations de détournement, il faut qu'il y ait des soubassements. Vous ont-ils montré des soubassements, des décaissements de 42 millions de dollars? Et je pense que vous, en tant que journaliste, avec tout ce qu'il y a comme réglementation en matière de financement en République démocratique du Congo, comment pouvez-vous vous imaginer qu'un détournement de 42 millions se passe à travers des individus ou à travers une unité de coordination? Nous, au PEJAB, nous ne donnons pas comme ils ont affirmé. Le PEJAB n'a pas reçu de fonds ou mandat de subventionner l'entrepreneuriat agricole en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas reçu de ressources pour ça. L'entrepreneuriat que nous accompagnons, eh bien, il obéit à des règles. Et ces règles-là sont des règles qui ont été convenus à la fois avec les bailleurs et la Banque africaine de développement, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les institutions partenaires qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans ce processus. Il va ici expliquer que nous, le processus commence d'abord par un appel d'offres qui invite les jeunes à pouvoir
manifester, montrer leur disponibilité à pouvoir entreprendre et s'investir dans le secteur de l'agriculture. Ils sont envoyés par envoyés au niveau des centres d'incubation où ils sont formés techniquement et ils reçoivent une éducation financière au niveau de ce centre-là pendant un processus qui est de 4 mois. Et à la suite de ce qu'on reçoit mandat de pouvoir mettre à disposition de nos partenaires qui sont le centre d'incubation les ressources nécessaires pour s'occuper de la restauration, du logement et de la couverture santé pendant le temps d'incubation de tous ces jeunes-là. Et à la suite de ces 4 mois, les jeunes sortent du centre d'incubation avec un plan d'affaires. Et ce plan d'affaires-là, c'est celui-là qui est présenté auprès des institutions de microfinance et des institutions bancaires qui acceptent, après analyse, de pouvoir utiliser leurs ressources propres, donc les ressources de ces institutions-là, et faire de ces jeunes-là leurs clients. Et ensuite, comme vous le savez, le secteur bancaire, il est réglementé. Quand une banque reçoit une demande de crédit, la banque analyse la demande de crédit selon ses règles propres. Il faut le dire ici, il n'y a aucune banque, aucune institution n'a reçu de l'argent pour donner aux jeunes. Les banques qui acceptent, tout comme les institutions de microfinance qui acceptent de financer, ils engagent leurs propres ressources. C'est des ressources propres de la banque qui acceptent de financer le projet des jeunes. Là où l'État intervient à travers le projet PEJAP, il faut le mentionner, au niveau du fait que les jeunes n'ont pas d'hypothèque à donner quand on leur exige. Parce qu'ici, je dois le souligner, même vous-même, journaliste, si vous vous présentez aujourd'hui auprès de n'importe quelle banque pour solliciter un crédit, vous n'allez pas l'avoir si vous n'apportez pas de garanties ou des hypothèques. Et l'État congolais, sachant qu'il s'adresse, que le projet s'adresse aux jeunes qui, pour la plupart, n'ont rien à présenter à ces institutions qui acceptent de leur donner les crédits, l'État congolais vient avec une couverture à 50% de la garantie. Donc, quand une banque juge favorable votre projet, il fait un contrat individuel avec l'entreprise qui sollicite le prêt. Et le prêt obéit aux règles et procédures de cette institution-là qui a accepté de donner son argent. Et l'État congolais participe avec la couverture de la garantie afin d'éviter que la banque se rabaisse plutôt à ces jeunes-là pour lui demander la couverture. Alors, voilà comment le mécanisme de financement au PEJAP se fait. Le PEJAP n'a aucune ligne de subvention, même pas un dollar pour subventionner un jeune quelconque. En résumé, on peut se dire qu'il n'y a pas eu 42 millions de dollars pour financer les agripreneurs à ce jour. Il n'y en a pas eu, et ça, nous le soutenons. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura même pas. Parce que d'abord, le montant là de 42 millions, nous-mêmes nous sommes surpris. D'où est-ce qu'ils ont tiré ça? Et le PEJAP n'a pas reçu ni du bailleur ni du gouvernement 42 millions pour donner à ces jeunes-là comme ils sont en train de les prétendre. Le PEJAP, dans son mécanisme, accompagne les jeunes pour obtenir certaines facilités. Il faut le dire, les secteurs financiers tels que présentés en RDC
ne s'intéresse pas à l'agriculture, parce que l'agriculture montre plusieurs niveaux de risques. Et en plus, la cible du PGA, qui est la jeunesse, n'intéresse pas aussi les financiers parce qu'ils estiment que le risque est très élevé. Voilà pourquoi le projet apporte une garantie pour apaiser les institutions là qui acceptent d'accompagner le projet dans la mise en œuvre de son mécanisme de financement avec une couverture de la garantie à 50%. Et l'institution qui donne le financement accepte aussi de s'engager pour un risque partagé à hauteur de 50%. Donc, l'argent qui est donné, c'est pas, il faut peut-être corriger, les prêts qui est donné aux jeunes, parce que c'est un prêt remboursable. Les prêts qui est accordé aux jeunes n'obéit à aucune règle de subvention. C'est de l'argent propre aux banques commerciales et aux institutions de microfinance qui acceptent d'accompagner. Donc, je vois mal, et surtout d'autant plus que quand le processus de validation du projet entre la banque et les jeunes lui-même, une fois que le processus est fini, les jeunes signent un contrat avec la banque qui lui donne le crédit. Et l'argent quitte la banque vers les comptes du jeune lui-même. Comment PEJAB, l'unité de coordination du PEJAB, moins encore son excellence, monsieur le ministre d'État qu'on a cité, à quel niveau vous pensez que les détournements par ces deux intervenants peuvent intervenir? Ces jeunes parlent d'un financement d'autres personnes qui n'étaient pas incubées. C'est ça aussi une autre préoccupation qu'ils ont soulevée. D'après leurs propos, les fonds étaient sortis, mais il y a eu financement d'autres personnes qui n'étaient pas dans le moment d'incubation. Non, et il faut d'abord dire, si je peux me le permettre, de jeter un coup d'œil ici, comment notre schéma de financement est organisé. Vous voyez là-bas, on parle des recrutements et sélections qui sont recrutés et sélectionnés. Ce sont les jeunes diplômés, on dit des chômeurs ou actifs dans le secteur agricole. Alors, les chômeurs, ce sont ceux qui viennent fraîchement, par exemple, des institutions universitaires, qui n'ont encore rien fait dans leur parcours. Les actifs, ce sont ces personnes-là qui, ils exercent déjà dans le secteur de l'agriculture ou de l'agro-business. Et ces gens-là sont sélectionnés et ils suivent un processus d'incubation tout à fait différent. Parce qu'à ce niveau, vous voyez, il y a plusieurs partenaires qui interviennent, notamment l'ITA, le BIT, l'ONEM, l'INPP, l'ANADEC et consorts. Ce partenaire-là qui intervient au niveau du centre d'incubation, eux, ils interviennent pour les jeunes chômeurs. Les jeunes qui sont actifs, ils n'entrent pas dans les centres d'incubation parce que eux, ils connaissent déjà les aspects techniques et ils exercent déjà. Il y a des jeunes ici que vous connaissez à travers la ville de Kinshasa, tout comme à travers la République démocratique du Congo, lesquels ils sont déjà peut-être dans la transformation du yaourt, du jus, qu'on vend même déjà même dans les marchés courants. Donc ces jeunes-là n'ont plus le temps de passer là-bas pour être formés techniquement parce qu'ils connaissent déjà leur métier. Ils savent déjà ce qu'ils font. Donc, on ne peut pas dire que nous ou bien les banques ont financé les jeunes non incubés parce que les banques avaient la possibilité de prendre des chômeurs ou des actifs. Et là, il faut le dire, que quand les jeunes passent le stade d'incubation, ils sont là-bas, voilà, ils sont présentés, par exemple, au niveau du petit BCBC ou encore auprès des institutions de microfinance
qui sont contrôlés par la Banque centrale du Congo. Ils sont contrôlés par la Banque centrale du Congo en tant qu'autorité de régulation du secteur financier. Et ces jeunes-là, ce sont les jeunes qui s'inscrivent dans plusieurs maillons. Il y a la production, la transformation, la commercialisation. Ce sont ces jeunes-là, une fois que leur projet, parce que quand ils sortent ici, vous voyez, on a écrit, ils sont agripreneurs avec plan d'affaires. Donc, que ce soit les chômeurs, que ce soit les actifs, ils se présentent auprès de ces institutions avec le plan d'affaires. C'est ce plan d'affaires-là qui est analysé. Et le plan d'affaires, ces institutions les analysent selon leurs propres règles. À ce niveau-là, il n'y a pas intervention du projet. Il faut qu'on se le dise. Le projet n'intervient pas parce que le projet ne peut pas influencer Equity BCDC ou prenons une institution de microfinance là-bas à financer un jeune que lui-même ne veut pas. Parce que ici, Equity, vous avez, si vous regardez le schéma, nulle part où on dit qu'Equity reçoit du projet PEJA l'argent pour donner aux jeunes qui sont incubés. Equity va utiliser ses ressources propres. Donc, comme il va utiliser ses ressources propres, on lui laisse la latitude de pouvoir faire l'analyse du plan d'affaires selon ses propres règles. Ce qui est tout à fait normal, on ne peut pas lui imposer, parce que c'est son argent qu'il va utiliser. Alors, nous simplement, à ce stade, si par exemple, Equity nous dit, ok, des jeunes chômeurs ou actifs pour lesquels nous avons analysé le plan d'affaires, nous avons retenu tel ou tel autre, et nous acceptons de leur donner notre propre argent, c'est à ce moment-là que nous, on intervient, pour dire, ok, d'accord. Le premier acquis, c'est que vous avez accepté de financer, ce qui est bon. Et nous leur disons, au lieu par exemple, parce que la banque qui accepte de financer, vous dit, ok, nous avons accepté de leur donner l'argent, mais il faudrait par exemple qu'ils nous donnent des livrets parcellaires. On leur dit, non, ces jeunes-là, ils sont chômeurs et ils n'ont rien à vous donner. Et comme ils n'ont rien à vous donner, mais et que vous avez jugé leur projet acceptable, nous, nous demandons à ces institutions-là de ne pas déranger les jeunes. Ce qu'ils pouvaient exiger aux jeunes en termes de garantie, c'est ça, c'est que le gouvernement couvre à travers le projet déjà. Et cet argent-là qui sert de garantie, il faut se le dire, n'est détenu nulle part dans les locaux du PEJA. Ce n'est pas géré par le projet PEJA, mais voilà, cet argent-là se trouve ici. Vous voyez, on a écrit Banque centrale du Congo, refinancement, garantie financière et assistance technique. Donc, nous, nous présentons simplement les dossiers au niveau de la Banque centrale, à travers un comité de fonds de garantie qui est mis en place. On se dit, oui, la banque X ou Y a accepté de financer les jeunes que nous lui avons présentés, mais comme ces jeunes n'ont pas de garantie, vous, Banque centrale, disponibilisez 50%. Par exemple, si, je donne l'exemple de Petit, a accepté de vous financer, vous, avec un montant de 100 000 $ de ses ressources propres, nous, nous allons demander à la Banque centrale de couvrir ce prêt-là que Equity ou n'importe quelle institution accorde aux jeunes à hauteur de 50%. C'est pour dire que si le prêt est de 100 000 $, la partie gouvernementale amène une couverture de la garantie de 50 000. Vous voyez? C'est ça le 50%. Et cet argent-là, ce n'est pas de l'argent que l'on voit, non, ou que l'on touche, non, non. C'est une couverture financière
qui fait que ça ne peut être utilisé qu'en cas de problème. Si par exemple le jeune n'arrive pas à rembourser, par exemple, ou il rembourse en partie et que l'on se rend compte que voilà, il y a eu, prenons, je donne l'exemple, on a assisté au phénomène Mobondo dans le plateau de Bateke, un espace à caractère agricole. Beaucoup de fermiers ont été pénalisés. Et si, par exemple, un fermier, un jeune qui se trouvait dans cet espace-là, pendant ce temps-là, peut-être il a vu sa production pourrir. Si c'était un prêt, il ne serait pas en mesure de rembourser le prêt. À ce moment-là, le comité de gestion de fonds de garantie va se réunir avec la banque concernée. Et dans le comité de fonds de garantie, il y a la représentation, la FEC est là, la Banque centrale est là, et les ministères concernés sont là. Ils vont statuer ensemble pour dire que voilà, compte tenu, prenons du phénomène Mobondo qui a eu au niveau du plateau de Bateke, tel jeune n'est pas en mesure de pouvoir rembourser les prêts qu'il a obtenus. On constate que c'est bon, ok. Alors on va se dire combien il devait rembourser. Il devait rembourser, prenons par exemple, 10 000 dollars. On dit, ok, la banque, comme vous avez accepté notre couverture de 50%, au lieu que les jeunes, vous puissiez, prenons par exemple, arrêter pour n'avoir pas remboursé 10 000 dollars, vous prenez les 50%, donc les 5 000 dollars qui est en couverture chez vous, et la banque accepte aussi de perdre 50% de ses ressources. Donc, on dit que le prêt ne pourra pas être remboursé en totalité et à 50%. Voilà comment le mécanisme de financement du projet de PEJAR est organisé. Donc, nulle part, il y a une subvention et nulle part, les fonds quittent le PEJAR pour les jeunes, ou encore quitte les trésors publics, ça passe par le PEJAR pour les jeunes. Non, c'est le fonds privé de ces institutions-là et qui sont donnés aux jeunes sous forme de prêts. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Le suivi, c'est fait à plusieurs niveaux, justement pour garantir le remboursement du prêt. Parce que l'idéal pour la République démocratique du Congo à travers le PEJAR, c'est de ne pas perdre les fonds de garantie. Les fonds de garantie doivent servir afin que le financement puisse être pérennisé, puisse être durable. Alors, comment le suivi s'est fait? C'est que nous, au niveau du projet, nous avons un service de financement qui est piloté par un expert financier accompagné d'un chargé de crédit pour s'assurer. Et aussi, nous avons un expert agro-business pour suivre les aspects liés à la technique sur terrain et aussi une experte en développement des entreprises qui suit réellement que l'entreprise, donc chacun joue un rôle. Donc, l'expert financier, l'expert en développement des entreprises, l'expert agro-business, la chargée de crédit, tous, et nous avons aussi un chargé de suivi et évaluation, chacun fait le monitoring et donne de son expertise pour que l'activité des jeunes réussisse. À côté de ce que nous faisons en termes de suivi, il y a aussi l'institution qui a donné le crédit. Voilà pourquoi il y a les risques partagés. Parce que la banque qui sait que si les jeunes ne remboursent pas en totalité, elle va aussi perdre 50% de ses ressources. Elle met en place au niveau de la banque tout un dispositif de suivi de crédit. Donc pour essayer à chaque fois de donner des conseils afin que les crédits puissent être remboursés normalement selon les échéances. Et nous, au niveau du projet, pour garantir aussi la réussite, il y a ce que nous négocions avec les banques commerciales.
entre autres, par exemple, la période de grâce, leur faisons voir que nous sommes dans un secteur agricole. On ne peut pas donner un crédit, par exemple, à quelqu'un qui va planter les manioc aujourd'hui et le mois prochain commencer les recouvrements. C'est impossible. Donc, il y a la période de grâce qui est accordée. Et il y a aussi les taux d'intérêt, par exemple, qui est négocié. On dit que non, voilà, bien que vous donniez vos ressources, mais nous sommes dans un secteur agricole. N'appliquez pas les taux d'intérêt que vous appliquez pour quelqu'un qui va prendre les ressources et construire une maison en location, mais celui qui est dans le secteur de l'agriculture. Vous voyez, tout ça, c'est des facilités que le gouvernement apporte pour que le banquier puisse accepter de donner son argent. Mais sinon, l'argent, c'est l'argent de banque. Et voilà pourquoi je dis que c'est quasi impossible pour nous de détourner. Nous allons détourner à quel niveau ? D'autant plus que la banque collabore directement avec l'entreprise concernée. Et pour finir, et je vais vous donner la parole, il y a aussi un problème. Le problème, c'est que les jeunes signent un contrat direct avec la banque. Les ressources lui sont données. Vous voyez ? Nous, on n'intervient pas. Là où nous, on intervient, c'est que la banque nous demande l'avis pour certifier. Est-ce que nous connaissons ce jeune-là? Est-ce que réellement, il a suivi le processus du PEJAN? Vous voyez? Et à ce niveau-là, il faut aussi que nos jeunes comprennent et qu'ils soient patients. La banque ne va pas appeler tout le monde au même moment. C'est ses ressources. C'est selon la disponibilité et selon l'évolution du traitement du dossier. Il y a quelqu'un qui peut être appelé au mois de janvier, l'autre va être appelé au mois de juin, il y a un autre au mois de juillet. Nous ne pouvons pas dire à la banque, non, appelez tout le monde au mois de janvier. Non, les traitements, la signature de contrat suit l'évolution du traitement du dossier à leur niveau. Mais s'ils nous disent, voilà, nous avons finalisé avec tel. Est-ce que vous le connaissez? Nous allons interroger notre base de données pour être sûr. Est-ce qu'il a été chômeur incubé? Est-ce qu'il a été actif identifié par nous? S'il est dans notre base de données, on certifie à la banque que oui, nous le connaissons. Okay. Ah, d'accord. C'est impossible aussi de dire que non, voilà, nous avons pris des gens. Non, il n'y a personne que nous avons pris parce que tous, c'est la banque qui les gère. Donc, ce n'est pas nous au plaisir. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Nous n'avons pas de moyens de répression. Et on n'en a pas prévu. Vous voyez, la République démocratique du Congo, si vous suivez le président de la République qui veut la revanche du sol sur le sous-sol, nous voulons que les millionnaires naissent dans le secteur de l'agriculture, afin que le chef de l'État soit content et initiateur de qui veut voir le premier millionnaire dans ce secteur-là. Nous, tout ce que nous faisons, c'est vraiment mettre notre expertise en marche pour amener les jeunes à ne pas récidiver. Parce que s'ils récidivent, du coup, la République perd déjà 50% de l'argent alloué dans la garantie. Donc, si tous récidivaient, donc c'est toute la garantie qui va disparaître. Et nous allons retourner à zéro. Donc, ce que nous voulons, c'est que cette garantie-là puisse être pérenne. Voilà pourquoi il y a un suivi rapprocher. Le seul moyen que nous avons pour limiter cela, c'est le suivi, c'est le conseil. Ne pas attendre à ce que vous constatiez la récidivité, mais plutôt que vous puissiez prévenir cela afin que ça n'arrive pas. Merci. Voilà pourquoi, et nous et les banques, nous mettons vraiment le nécessaire pour la réussite du jeune qui a été financé. Mais, il faut le dire, quand on se retrouve en face des gens qui ne comprennent pas, on a parlé tantôt des capteurs de ressources.
il y a réellement des gens qui veulent entreprendre dans ce secteur. Mais tout comme il y a des gens, parce qu'ils avaient mal entendu, s'il faut le dire, ils avaient mal entendu. Ils pensaient que, allons au Péjab, nous allons avoir l'argent. Il y a beaucoup qui ont planifié autre chose. Une fois que j'ai cet argent-là, je ne vais même pas investir ça dans le secteur de l'agriculture, je vais faire quelque autre chose. Merci. Voilà pourquoi nous faisons de sorte que cela n'arrive pas. Merci beaucoup. Merci.